Salut à tous, c'est Noxfaran. On se retrouve pour un nouvel épisode de Ori and the Blind Forest. La dernière fois, on a commencé les ruines avec cette boule qui nous permet de sauter sur ces plateformes brûlantes. Oh là là, il y a des choses qui flottent dans tous les sens, c'est un peu bizarre. Et surtout, on peut monter sur les murs, hop là, et changer notre gravité, notre point de gravité plutôt. Olé. Et voir un peu ce qu'on peut faire de là. Bon, d'ici, il faut que je descende, j'ai l'impression. Hop. Et ensuite, on va faire le tour. Par ici, j'imagine. Yop, olé. Doucement. Alors, le missile, il s'arrête là, normalement. Ouais. Et donc ensuite, il faut que je saute un par un. Ok. Saute par-dessus, hop là, voilà. Et voilà, ok, ça nous en fait un. On va faire le tour, on va revenir là-bas. Je me demande s'il va m'en falloir deux ou quatre, aïe. Fouh, ok. Toi là, viens par là. Oh. Il va falloir que j'aille chercher ce qu'il y a là-haut. Mais comment je vais faire? Comment récupérer ce fragment de... clé. On va bien voir un peu plus loin, peut-être qu'il y aura un moyen. Hop là. On se garde là. Oh, oh, ça va me faire tomber ça. Est-ce que je peux... Oh, je peux changer comme ça. D'accord. Donc là... Je me suis loupé. Voilà, ça ira plus vite comme ça. Et on y retourne. Waouh. C'est étrange de... Hop. Voilà, comme ça. Hop. Et comme ça. Et ensuite, on repart dans ce sens. Par là. Hop. Ensuite, on a... Oh, on a une carte là. Hop là. Voyons voir, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Beaucoup de choses, waouh. Alors, on a la porte ici et deux autres fragments de clés. Donc, faut que j'aille chercher cela avant de pouvoir continuer à droite. Ça m'a l'air d'être le cœur des ruines. D'accord. Donc, on doit aller à gauche ou en haut. Faut voir. Ce qui va nous permettre d'avancer. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas d'abord? Juste la porte et une simple araignée. Rien de très important. Hop, donne-moi ça. Alors. Je vais pas pouvoir monter. Parce qu'il y a des pics dans tous les sens et j'ai pas assez de sauts pour aller assez loin. Donc on va partir dans ce sens-là. Ouais. Comme ça? Et après, je laisse tomber ma bouboule. Ouais. Un puits. Yes. J'avais bien besoin de ça. Ensuite, on va faire le tour par le plafond. C'est bizarre de penser comme ça. Oh! Est-ce que c'est ça que je voulais faire? Rester sur le plafond? Non, il y a trop de... Il y a trop de pics au plafond, je peux pas rester sur le plafond. Qu'est-ce qu'il y a en bas? J'ai rien loupé? Non. J'ai obtenu un point de compétence, mais c'est pas suffisant pour me faire monter de niveau vraiment. Hop, voilà. Oh, et génial, maintenant il y a des lasers. Ah, tout ce que j'aime. Ouais, tu sais quoi? Je vais attendre. Peut-être là, sauvegarder ici, voilà. Et maintenant je vais essayer de traverser le laser, ça va être... Oh mon dieu, ça va être du timing tout ça. Oh. Ensuite j'ai quoi? J'en ai deux à traverser.
Comme ça. Impeccable. Oulé. Voilà. Doucement mais sûrement. Ensuite. Ah. Faut que je revienne là et que je saute d'ici. Deux secondes. Y'a rien de caché ici? Non. Est-ce que je peux par hasard remonter là? Non. Ok, bon. Ça m'a permis de ne pas redescendre tout en bas. Donc on va faire ce qu'on est supposé faire. Passer par ici. Ok. Oh waouh, il y a un laser. Il y a un laser. Attention au laser. C'est effectivement une zone dangereuse. Oh. Je l'opprends, hein. Juste au cas où, parce que c'est vraiment un endroit cauchemardesque. Alors j'ai vraiment pas envie de louper quoi que ce soit. Ouah. J'ai réussi, j'ai réussi. Olé. Oh waouh. Rien d'autre. Ok, on va pouvoir récupérer le fragment ici. Ding. Voilà. Ensuite. Ouais. Un laser, comme d'habitude. On a ça. On a un mur là qui nous permet... Bah, il nous permet pas de faire grand chose en fait. Non. Il nous aide pas beaucoup ce mur. Et ensuite... Je sais pas comment j'ai fait pour survivre. Ça a marché. Mais je sais pas comment. Y'a rien en haut. Bon, ça, bien d'accord. Non, y'a rien. Bon. On ouvre ça. On sauvegarde. Waouh. Eh ben. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah bah tiens, t'es revenu jusqu'ici? Waouh. Oh non. Il va voir ses copains. Enfin ses copains morts de froid plutôt. Je suis pas sûr que ça va lui plaire ça. À moins qu'il sache déjà qu'ils sont tous frigorifiés, mais bon. Alors. On a tout un tas de pics en bas. Ça c'est quoi? Voilà, on va te poser là apparemment. Et ça va faire quoi? Ouh. Ouh. Un pont. Cet hôtel devait alimenter toutes leurs inventions. Regarde-le donc maintenant. Regarde ce qu'il a fait. Oui, il a fait un pont. Je suis désolé mon gars. Y'a rien à droite. Non. Je peux plus récupérer la bobole par contre. Donc on va la laisser tranquillement là. Ça veut dire que je peux monter là. Ouais. Rien au-dessus on dirait. Ori, tu vois quelque chose? Nope. Oh. Je me demande si Kumo sait ce qui est arrivé ici. J'espère qu'il nous pardonnera le fait que nous ayons survécu alors que nous ne le sommes plus. Ouais. J'espère qu'il va pas être en colère. Parce qu'il risque de faire... de causer des soucis sinon. Alors ça j'aime pas. C'est où l'endroit safe ici? Oh! 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 je sais pas ce qui s'est passé, mais. Oh là là, c'est safe. Ok, ensuite, on remonte là.
Ah, il y a encore des morts. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit à droite? Oui. Voilà, ici c'est safe. Ensuite, il faut que je monte. Bon. Ça risque d'être compliqué. Ça, ici, ça devrait être safe aussi. Ouais, il y a un truc à droite. Oh, faut que j'aille en bas. Par là. Ok. Ça, c'est quoi? D'accord. Arrête de grimper au mur, Ori. Voilà. Donc ça, c'est fait. La porte est ouverte, c'est bien. Je peux sauvegarder ici, apparemment. C'est plutôt une bonne chose. Ça m'a l'air d'être un bon endroit pour... Oh ouais. Je pensais bien que ça allait pas fonctionner. Ok, donc j'ai un bon endroit pour y aller. C'est là normalement. Oh. Oh, presque. Ok, mais c'est un bon moment pour y aller, il me semble. Ah, c'était bête aussi. Pourquoi j'y vais au mauvais moment à chaque fois? C'est vraiment bête. Bête de ma part. Voilà, on va attendre que ça revienne dans l'autre sens. Et là, j'y vais. Voilà. Sauvegarde. Fou. C'est compliqué, j'espère que ça vaut le coup. On a encore un laser ici. Soit. Pas très dangereux celui-là. Je peux m'accrocher ici et attendre pour ce laser-là. Ouais. Bon. Tout ça pour ça? Non, il y a un... Oh, secret. Cellule de vitalité, yes. Bon, finalement, ça valait plutôt le coup. Et donc, c'est bien un cul-de-sac comme je le pensais. Bon. Voilà. On va faire attention à ce qu'on fait. Comment je reviens par contre? Par ici? On va attendre que le laser repasse. C'est bon. Fou. On re-sauvegarde par ici. On saute là. Héhé. Et voilà. Bah c'était pas compliqué. Hop, on récupère le cristal. What? Oh, sérieusement. C'était ridicule. J'ai foncé dans les pics, ça m'a tué d'un seul coup. Waouh. Ok, cette fois on saute pas dans les pics. Merci. C'est même pas par là en plus que je dois aller. C'est au-dessus, je suis bête. Ouais, tu sais quoi? Hop là. Voilà. C'était débile de ma part encore une fois. J'arrête pas de mourir bêtement. Vous faites pas attention à moi. Tout va bien. Ouais, c'est bien une zone dangereuse, ça c'est sûr. Et voilà. Phew. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut? On va sauvegarder là. Hey, 100% des ruines. Ah bah voilà. C'est bien la fin, j'imagine. Enfin, la fin des ruines, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Ouais, Sane, qu'est-ce que tu vas dire? L'élément des vents se trouve devant nous, au cœur de cet endroit. D'accord. Comment on fait pour le libérer? Oh, Gumon. Ça va?
Ces ruines sont les derniers vestiges des Gumons, le rappel du triste sort de ce peuple. Tout comme toi, Gumo a perdu ceux qu'il aimait et est le dernier de son espèce. Oh. Ori, nous ramènerons la lumière pour Nibel et pour la mémoire des Gumons. Ravivons l'élément des vents. Ok, faisons ça alors. Wow. Ok, il y a deux. Il y a du vent. Ok, il y a des stalactites aussi partout. Aïe, ça picote. Ça picote aussi. Ça repicote. Ça picote trop. Par ici. Ouais, monte. Monte, oui. Oh waouh. Ah, allez. Wow. Ah là 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 là. Oh what? C'est horrible. Trop intense. Oh. C'est bon. On est... Nid de Kuro? What? Qu'est-ce qu'on fait là? Oh oh. On devrait pas être là. C'est une très mauvaise idée. Oh? Il y a un œuf.
Ouais, saute Ori, il n'y a plus que ça à faire. Oh non. Ok. Donc il faut que je reste caché, c'est ça? Koro, je comprends que tu sois énervé, mais c'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Dans le prochain épisode, on va voir ce qu'on peut faire pour échapper au cerf de Kuro. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut.